Et qui rencontre, je crois, un Géorgien. Ouais, ce qui serait bien, c'est qu'on nous porte les tableaux quand même. Oui. Voilà, et la Razmadze contre Anai. Anai qui est le numéro 2 japonais derrière le célèbre Inoue. Et qui est là pour se préparer pour. Alors, ils ont un vrai objectif, les Japonais, c'est de se préparer pour les championnats du monde par équipe qui vont se dérouler au mois de septembre. Et j'ai eu une confidence des entraîneurs japonais qui m'expliquait que la préparation pour ces championnats du monde, ils vont sélectionner deux athlètes par catégorie. Et ces deux athlètes par catégorie ne sortiront en tournoi à l'étranger que trois fois. C'est la programmation et la stratégie japonaise pour cette préparation. Donc ils ont fait l'impasse sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournois. Mais ils nous font l'honneur d'être ici à Bercy, puisque évidemment, et je le rappelle, le tournoi de Bercy, le tournoi international de la ville de Paris de judo, est le plus grand tournoi du monde. Regarde, regarde David, on va sur ce combat, on va revenir. L'attitude du japonais très droit. Là, c'est vraiment deux écoles de judo qui s'affrontent. Hein. C'est la technicité japonaise et j'allais dire le classicisme japonais qui est opposé évidemment au judo rugueux des pays de l'Est et représenté par ce géorgien. Razmadze. Comme tu dis, c'est deux écoles différentes, mais deux écoles efficaces. On rappelle que les Géorgiens ont gagné ces derniers championnats du monde par équipe et brillamment face aux Japonais. Ils avaient éclaté les Japonais. Ils leur avaient infligé un 7-0 cuisant. C'était à Munich. Voilà, non-combativité. Non, c'était à Osaka. Oui, non-combativité de la part du Géorgien. Et grâce, j'allais dire, à l'attitude très très positive de Anai. Regardez comment il se tient droit. Regardez comment il essaye de se décaler en sasae. Et de l'autre côté, on a le Géorgien qui l'attend. Il a envie de le contrer. Oui, un peu cassé, qui essaye de désaxer la garde. Vous voyez, il essaye d'aller sur le côté droit pour désaxer cette garde. Mais le Japonais ne s'en laisse pas compter. Et toute la stratégie du Géorgien va essayer de, sur une attaque japonaise, d'essayer de le contrer. Parce que nos amis géorgiens sont de formidables contreurs, sont des arracheurs d'arbres. Ouais. Le seul souci, c'est que on voit une attitude très, très conquérante hein, du japonais. Parce que l'endroit s'est bien fait, là. Un petit peu d'apport de Razmadze. Pardon. Et vous retrouvez ses oreilles. Regardez la particularité des oreilles en chou-fleur de lutteur, de rugbyman. À force de prendre des coups, oui, sur les oreilles, là, ça se gonfle de sang. On a l'habitude de le voir aussi chez les Japonais, alors que celui-là, tout jeune, là, il est encore préservé de ces coups-là. Voilà, on a envie de travailler aux jambes du côté géorgien en kimono blanc. Donc habituellement, les Japonais sont assez gênés par ce type de prise de garde. Et là, Anai, il s'en sort pas trop mal, hein, parce qu'il est le patron au niveau de la garde. Vous voyez, son bras droit est sous l'aisselle du géorgien, donc il bloque le haut du corps, en fait. Voilà l'efficacité de cette garde avec le géorgien qui essaye de rattraper l'avantage qu'il a contre lui. Mais notre ami Anaï, je le sens extrêmement lucide, extrêmement tranquille sur le judo debout. Parce que sur le sol, il peut très bien y avoir différentes situations et les géorgiens au sol sont plutôt de très très bons athlètes. Très très bon technicien. Voilà, il reste 2 minutes. Et ça prend loin derrière. Hein. Ça, c'est la garde typique des gens de l'Est. On va prendre loin derrière. Et on va essayer d'aller au maximum en corps à corps. L'attitude du japonais, ce sera au maximum de s'écarter justement de ce treuil que va lui infliger le géorgien. De cette traction ça permanente. Ça risque de monter, non, là, un petit peu les... Je sais pas, je pense qu'il y a une petite fissure, un petit bout de sang qui doit couler quelque part, peut-être au nez. Ou au doigt. À la bouche. Oh, oui. Là, ils sont des... Vraiment, maintenant, on est très à cheval sur la sécurité, hein. Dû aux problèmes contagieux liés aux problèmes sanguins, hein, type sida par exemple, ou là,
dès qu'il y a une goutte de sang qui tombe quelque part, et bien tout de suite on fait ce qu'il faut. Aujourd'hui on essaye de faire attention à toutes ces problématiques, il n'y a jamais eu de cas, hein, mais enfin faut prévenir. On anticipe. 1,50, Anai mène. Ouais. Tout ça c'est pour grimper dans le tableau des moins de 100 kg. Mais il mène d'un tout petit coca. Et il n'a pas encore réglé ses problèmes d'approche, il est assez loin encore de notre ami le géorgien. Allez, on essaye en balayage, on essaye de mettre du rythme. Il doit se méfier, Anai. Hein. Il sent, regarde David, la puissance. Ah oui, l'autre sûr. Qui essaye de le happer. Attention, oui, c'est, ouais, on essaye. Comment il se tient droit? Ça travaille bien, hein. Ça bosse bien quand même en termes d'attitude. Oh, sans émaner, ça veut dire en arrêt. Oh la Uchimata, oh, magnifique. Sur un retour d'attaque, enfin un retour de déplacement du géorgien, le japonais a tout de suite lancé. Mouvement pur, mouvement propre. Il a créé l'ouverture, il s'est engouffré dedans avec, on allait dire, David, le roi des mouvements en judo. Tout à fait. Dans les mouvements d'épaule, il y a évidemment Morote, il peut se nager, mais dans les mouvements de hanche, cet Uchimata est assez imparable. Et on voit le japonais Anai qui va se retrouver donc en finale de tableau. Non, pas encore. Pas encore. Regardez, que c'est bien fait. Nous sommes là en huitième de finale. En demi-finale de son tableau, c'est ça. Voilà. Regardez. Il a la reprise de garde. Au moment où le géorgien monte la main, il lance. Il passe en dessous. Et magnifique Uchimata. Regardez. Le géorgien, il va monter sa main. Il crée l'ouverture. Et hop, tout de suite, en deux temps, le japonais qui s'engouffre. Voilà, oui. Je dois dire que c'est un des plus beaux hippons de la compétition depuis hier. Magnifique hippon.